Bonjour à tous, c'est Epis 61 et aujourd'hui on se retrouve pour la suite d'Age of Empires 2, Age of Kings. Donc la dernière fois on a terminé le troisième scénario qui était les cornes d'Ati où il fallait récupérer un morceau de la Sainte Croix ou un truc comme ça, enfin bref une relique. Donc j'avais pas mal galéré, hein, puis finalement j'ai recommencé en prenant on va dire les erreurs que j'avais faites avant. Et vu que je connaissais l'emplacement de la relique, ça m'a permis de gagner du temps et j'ai réussi à le faire en une vidéo, donc je suis assez content. Et donc là, on va s'attaquer donc à la quatrième partie de ce scénario, c'est-à-dire le siège de Jérusalem. Et au passage, du coup, c'est la 21ème vidéo. Et on arrive à bientôt la moitié de ce que j'avais fait pour Age of Empire. Donc du coup, on verra si oui ou non ça prendra autant de vidéos ou pas. C'est quand même la grande question, j'avoue. Allez, c'est parti. Jérusalem. Je suis avec les Saracens depuis 20 ans. L'objectif de Saladin est Jérusalem. Cette importante cité ancienne est un site sacré pour la chrétienté, le judaïsme et l'islam. Et c'est en quelque sorte la capitale de la Terre Sainte. S'il y a un vainqueur qui doit sortir de cet interminable conflit, ce sera l'armée qui tiendra Jérusalem. Pour compliquer les choses, Saladin est décidé à ne pas endommager la ville elle-même. Si le moindre lieu sacré est détérioré, la population risque de ne pas voir en Saladin un libérateur, mais un conquérant de plus. Alors, du coup, empêcher tous les monastères de Jérusalem et la coupole du temple d'être détruits. Putain, je sens que ça va être galère ce truc. Détruisez les 5 tours qui protègent Jérusalem pour que l'armée de Saladin puisse occuper la ville. Ok, donc il y a 5 tours à péter. Alors, conseil, couper l'approvisionnement en nourriture de Jérusalem en attaquant les fermes isolées. D'accord. Les deux ordres de chevalerie ont des bases isolés qui doivent être ciblés avant d'attaquer la ville, d'accord. Les trébuchés peuvent s'occuper des tours à distance, d'accord. Ok, donc ça c'est mon armée. Hop. La base de l'ennemi est redoutable. Je vous conseille de construire des lignes de défense en attendant que nous ayons une autre grande armée. Les flèches de nos arcs ratent rarement leur cible. Bon, ils veulent qu'on fasse une ligne de défense, c'est ce qu'on va faire. On va essayer de faire ça rapidement. Alors, il y a de l'or, donc on va en profiter quand même. Allez, construis-moi ça. Alors, je vais récupérer les moutons en même temps. Tac, c'est cadeau. Hop. Là aussi. Alors, les stats. Templiers, hospitaliers et Jérusalem. Ok. Bon, j'espère que je vais pas trop galérer à défendre et tout. Ça fait un peu peur, ça. Est-ce que j'ai des héros particuliers dans l'eau là? Ah, les archers des yeux, d'accord. Donc ça, c'est les archers particuliers. Nice, ok. Alors, tac. La falaise, j'aime pas trop ça. Limite, j'aurais peut-être pu prendre ça comme camp. Faut voir comment elle est constituée. Ah, d'accord, ok, c'est juste un bout. Ok, ok. Bon, je vais fermer ça, quoi. Allez, dépêche-toi. Faudrait que je fasse que d'autres villageois. J'y pense pas, mais c'est un peu capital. Alors, avant de miner, mon garçon, tu vas me fermer cet endroit. Voilà. Donc ça, c'est ok. Puis, bon, bah voilà. Petit à petit. Alors, je les mets tous en mode défense, voilà. Elle a bientôt fini ici. Et après, il faudra que je fasse une tour. Enfin, une tour. Oui et non, surtout des portes, en fait. Peut-être même faire un château, ce qui me reste assez de pierre, là, pour l'instant. Je vais faire qu'une porte, je pense que ça va aller.
Ce sera peut-être pas le top du top, mais on va dire que pour l'instant, c'est déjà pas mal. Alors, je vais essayer d'économiser un peu de pierre en supprimant justement des trucs. Hop. Petite porte à moi. Voilà, ça c'est fait. Oui, c'est un peu une mauvaise idée ce que j'ai fait. Et ouais, tu peux pas passer, guignol. Voilà, problème résolu. Donc ouais, on est à l'âge des châteaux, donc je vais pouvoir faire un château en défense. Je vais le mettre ici. Et puis voilà, on est pas mal. On va faire d'autres gajos. Parce que là, c'est pareil, je suis bientôt à fond en population. Je vais peut-être faire une des pioles en fait. Allez. Vite, 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 vite. Donc je vais explorer un petit peu avec lui là, en attendant. Donc il y a 5 tours, c'est ça? Ouais, ok. Faut que je me rappelle. Donc il y a des fermes apparemment à péter pour nous aider. Il y a un trou ici? Ah non, ok. Attends, j'ai cru que c'était un trou. Il y a de l'or, ok. Alors il y a pas mal de falaises hein, qu'on pourrait utiliser. Là encore, ça pourrait être une bonne base ici. Je pense. Ouh là 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 là, vous allez venir par là. Allez. Avec moi. Faut que je les escorte, faut éviter qu'il y ait un problème. Allez, on fait d'autres gadjos. Je vais essayer une sauvegarde là. J'ai essayé entre guillemets parce qu'à chaque fois je fais des sauvegardes, mais ça se trouve je vais recommencer à zéro, mais bon, au cas où. C'était quoi déjà? Jérusalem. C'est vraiment au cas où. Amron. Genre ça se termine comme ça. Ouais, reste bien prêt parce que... Avec le collègue... le chevet qui arrête pas de bugger. Vas-y, rentre si tu veux, mais t'en ressortiras pas vivant, toi, par contre. Je te le dis tout de suite. Alors c'est bien parce qu'en plus, là, y a plus de moutons, donc... c'est parfait. Je vais leur faire faire un grenier en attendant. Merde, non mais faites vos vies, par contre. Je me suis chié. Voilà, toi tu mines. Les moutons. Hop. Tous au bercail. Hop hop hop, on rentre là, je peux y aller. Plus vite que ça, les moutons. Voilà. Bon, le château petit à petit. Alors là, le jeu est en vitesse moyenne, mais je pense que je vais plus prendre ce réflexe-là, parce qu'au début, je disais oui, on va le faire plus rapidement et tout, mais là, en fait, c'est pas une bonne idée. Par contre, là, il y a un trou, ouais, j'avais zappé ça. Tu vas me boucher ça tout de suite, avant de me faire violer par l'ennemi. Hop, d'autres moutons pour moi. Merde. Allez, on va voir ce qu'il y a à gauche. Pour l'instant, j'ai pas vu de ferme. Bon, ça c'est les... Ah, c'est Jérusalem, ça, d'accord. Ah, ça, là, il y a de la pierre, ça peut être intéressant. Vous deux, vous allez venir prendre de la pierre. Alors, je vais enregistrer, hop. Parce que là, vu que je m'approche de Jérusalem, en fait, pourquoi j'enregistre, c'est au cas où ça lance un script, genre, vous avez découvert Jérusalem, maintenant, il faut la sauver, quoi.
Ça m'arrangerait pas, donc... C'est pour ça, au cas où, je préfère sauver avant, comme ça, au pire, je recharge. Voilà, c'est le désert, ok. Donc ça, c'est ok. Bah, du coup, tu vas les rejoindre. Je vais faire une palissade temporairement. Pour au moins les protéger pendant qu'ils minent. Vu que là, j'ai pas de... Ok, donc là, ils ont une mine d'or. Donc ça, c'est les méchants garçons, les hospitaliers. Un petit marché. D'accord, il y a des caravanes. Donc ça vaudrait le coup que je les dégomme. Par contre, j'ai toujours pas vu de champ. Ça, par contre, j'aime pas trop les béliers. Je vais aller leur rendre visite, je crois. Ça me dérange pas. Je vais commencer à les... Oula, ouais, ils sont bien équipés. J'ai commencé à leur mettre la pression au orange. Sinon, bon, on est pas mal, non? J'arrive bien à avancer. Bon, lui, il se fait victime. Voilà, dégage. Merci d'être passé, quand même. Parfait. Tu construis ça aussi, et on est bon. Alors, on va éviter le combat direct, je vais d'abord m'attaquer vraiment à leurs points vitaux, si je peux dire. Pour péter les fermes comme ça au calme, ça va être compliqué, mais... Oula. On va péter ça. Voilà. Allez, le bélier, on le dégage. Putain, lui, il est bien résistant, par contre. Ok, ensuite. Bon, les fermes. La ville est à nous. Vos efforts sont vains. La ville est à nous, vos efforts sont... Ça veut dire quoi, ça? Je croyais que c'était un game over au début, genre j'ai pas été assez rapide ou quoi, je sais pas. Bon, ça va, ça se pète vite, en fait. Ah, c'est bien résistant, m'empêcher... Ces mecs-là, je vais en faire d'autres. Ah, ils essaient de me péter, les fumiers. À prévoir en même temps. Pas beaucoup de monde alors. On va régler ce problème. Allez, les champs d'abord, monsieur. En plus, je les empêche de prélever de l'or, donc c'est pas mal. Après, je vais emmener des renforts. Alors, maintenant, on va faire des fermes. Alors, il y avait de l'or là-bas, au cas où, que je pourrais aller récupérer plus tard. Allez hop, on va rejoindre la Dream Team. Tac. Donc la pierre, c'est bien, ça rentre. Je vais peut-être faire des tours du coup, parce que vu qu'ils viennent me faire chier des fois, ça pourrait aider. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est les bleus qui viennent faire chier maintenant.
Ah, s'ils mettent des villageois en route, c'est que là, ils commencent à être en galère de... Ah merde, ils sont assez de portée, là. Je vais attendre que les autres arrivent. Hop, on va faire deux tours. Pas assez de pierres. Amron. Ok, bon, j'ai pas amélioré mes technologies pour l'instant, mais je peux pas être partout, donc je me concentre d'abord sur leur bâtiment et tout. C'est bon, il y a tout le monde. Je vais essayer de faire d'autres soldats. Putain, mais alors c'est la galère. Hein. Ça monte pas assez vite tout ça là. Pour l'instant, je peux pas en faire deux, je vais juste réparer celle-ci. Putain, merde. Ah, je t'ai vu, toi. Voilà. Je vais voir si je peux m'occuper d'autres, là. C'est chiant, le forum. J'aime bien, dès que je m'éloigne un petit peu, ils excluent, enfin ils refoutent leurs villageois en stock. Du coup, j'en profite. Hein. Parce que tu penses, ce temps-là, ils restaurent pas de. Hop, 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 hop. Je vais ramener d'autres mecs. Putain, faut... Je pensais que j'en avais plus en stock en fait. C'est un peu chier. Toi, tu rentres au bercail et tu fais notre tour. Bon, en attendant, on va faire ça. Sinon, je peux les amener eux en attendant. Pour aider. En fait, je les amenais pas parce que je préfère avoir un peu de défense sur place. Mais bon, maintenant, ça y est, je commence à avoir des tours et tout. Ça va, quoi. Ils vont pouvoir se démerder, je pense. Ah, merde. Putain, salopard. Et ouais, ce n'est que partie remise, j'arrive. Vas-y, cours si tu veux, mais j'ai dégommé quand même. Allez, on va s'occuper de la... du scorpion. Mine de rien, les scorpions, ils en faisaient pas pop du tout, donc je pensais qu'ils avaient plus du tout de... Putain, ils en ont fait deux, en plus. Je pensais qu'ils avaient plus de ressources, mais ils sont peut-être des tribus entre eux, ces salauds. Faut que je les empêche de prélever au max. Ah, des cataphractes. Ah, ça, ils ramènent leur poteau. Là, ils ont pas apprécié que j'attaque leur... Alors, truc de commerce. Ah bon, là ils sont plus nombreux donc c'est mort pour nous. Je vais essayer de les attirer à ma base s'ils meurent pas avant. Ah, il va crever. Ouais, ils vont peut-être venir me chercher, hein. Qui sait. Alors, eux, je vais les mettre en garnison du coup. Puisque ça augmente les stats et tout. Hop. Comme ça, là, deux tours, je pense que ça va bien aider. Voilà. Alors, toi,
Tu vas commencer à faire d'autres trucs parce que là on a même pas de quoi créer une armée à part les Mamelouks, c'est un peu limite. Après j'ai pas beaucoup de place. Faudrait qu'ils coupent du bois plus rapidement, j'aurais presque envie de dire. On va mettre ça là. En espérant que ça soit pas attaqué. Bon, sinon, je vois qu'ils font des maisons ici, c'est bizarre ça. Il y en avait une, ok, mais ils en ont fait une deuxième, donc je comprends pas trop leur délire. Mais au cas où, pour me protéger, puis en même temps, au pire, ça attaquera la maison et ça la détruira à un moment ou à un autre. Donc, on va faire ça. Bon, l'or, il y en a plus des masses, mais après, j'irai prendre l'autre. Or insuffisant, ok. Je pense que je vais même préparer le terrain, je vais faire ça maintenant. Hop. Hop. Là on ferme. Voilà. On met une porte. Et on est pas mal. Elle va construire ça, ça va l'occuper. Pour la suite... Voilà, comme ça, ça attaque. Alors, ça fait pas beaucoup de dégâts, ça fait moins 1 à chaque fois pour l'instant. Mais, c'est l'histoire de les attaquer, peut-être qu'ils vont venir un peu. Et puis, au cas où de me protéger, ça fait une défense supplémentaire. Donc, l'or, il en reste un petit paquet quand même, ça va. On a combien de temps là ? 20 minutes, ok. Donc elle est construite, ça va, c'est cool. Bah je vais lancer un raid, hein, je pense. J'attends que la production là se termine et je vais lancer un raid. Je vais augmenter leur défense en attendant. Et je pense qu'on sera bon. Je vais refaire quelques villageois quand même pour produire un peu plus. Même si j'en ai pas mal là, mais bon, c'est pour avoir le dessus assez rapidement, on va dire. Sinon là j'ai pas visité cet endroit, je sais pas ce qu'il y a, s'il y a d'autres bâtiments hospitaliers. Enfin Ah non c'est Jérusalem. Mais du coup faut pas que je les attaque, c'est con. Détruisez 5 tours qui protègent Jérusalem. Ah ça va si c'est juste monastère et l'autre ça. Voilà, donc ça je vais le faire. Ah, ça descend deux fois plus vite, c'est toujours ça de prix. Et là tu vas construire ça aussi. Ah, ça y est, ils décident de ramener leurs fraises. Donc c'est bon, allez, c'est parti. Oh merde, putain, il est coincé celui-là. Viens par là. Voilà. Attends, heureusement qu'il y a cette technique de garnison pour les débugger, sinon ce serait le bordel. Allez, on va voir un petit peu ce qu'il y a dans la zone noire en même temps. Parce que là, je suis un peu curieux quand même. Il y a deux pions comme ça et le reste, c'est chelou quand même. Les gens de votre espèce ne préféreraient-ils pas errer dans le désert plutôt que de nous faire perdre notre temps? Bah écoute, on te fait rarement chier, je pense. Ouais, c'est des bâtiments random, en fait. Bon, on va voir les oranges, parce que là, je pense que depuis, ils ont dû se refaire un peu. Dégage. Allez. Oula! Ça va le nombre de scorpions là, c'est la fête.
Astrés s'en fait plaisir, là, les mecs. Allez hop, ils ont à peine le temps de me toucher que j'ai des gommes. Par contre, lui va. Il va me faire une perte, forcément. Je vais péter leur bâtiment, eux, parce que sinon ils vont me saouler, ça continue. Allez, ramène-toi. Bon, bientôt 30 minutes. Toi, tu me touches pas. Merci. Je vais. Au pire, je ferai quelques coupures. Je vais essayer de dézinguer les oranges là pour. Bah, pour être tranquille, quoi. Ça fera toujours ça de moins. C'est un peu lent, mais bon, on fait avec. Ils se sont fait un peu attaquer sur le chemin. On me touche pas, j'ai dit. Nom de Zeus. Voilà, ça c'est fait. Toi, tu veux faire le malin? Il est tout seul. Mec déter. Au revoir. Alors. Toi. Viens par là, petite charrette. Catafraque, on va leur mettre la misère. Hein. Ah, les salauds, ils ont des moines. Salopard. Viens par là, toi. Putain, y'a trop de bordel là. Putain, là, 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 je suis trop près de leur camp. Là. Les piquets, attention. Focus sur eux. Putain, mais c'est à côté des oranges en fait. C'est pour ça qu'ils ont bien aidé. Quoi. Bon. Je déclare forfait. S'il reste des survivants sur le chemin, et bah écoutez. Rentrer à la base. Ça va être compliqué, hein, vu comme c'est parti. T'as pas fini? Pourquoi c'est arrêté? Lancer une contre-attaque! Bah vas-y, je t'attends. Fais le bonhomme à parler. Là. Alors, maintenant qu'il y a un peu plus de place, merci les bûcherons. Je vais faire une écurie et je vais faire les améliorations pour les écuries. Voilà, t'es mort. Au revoir les gens. Vous pouvez venir si vous voulez, moi ça me fait plaisir, ça va niquer quelques ennemis. Donc. Elle est bientôt au bout. Comme ça, dès qu'il y a plus d'or, je vais là-bas. Alors lui, il est bloqué. Voilà. Crève. Merci. Il y a encore des mecs d'éther qui vont venir. Du coup, là, mon projet, c'est de faire un temple pour soigner mes unités. Putain, c'est galère, là. Parce que là, si je fais ça ici, après, je vois rien, quoi, avec la forêt. J'aime pas trop ça. On va mettre ça ici. Là, je vais mettre. Ça, c'est bordélique, cette ville, quoi. Et bon, c'est vrai que la place, ça, c'est limite. Bon, il reste un spot d'or, donc bientôt, ils vont dégager. Je jarterai le camp de mineurs. Ça me fera un peu de place ici, en tout cas. Ah ouais, le château, il attaque jusque là-bas, putain. Il y a une sacrée portée. Bon, du coup, la maison, là... fait plus long feu quoi. Voilà, donc toi t'as fini, par contre elles sont enfermées dehors, c'est intelligent ça, putain. Voilà, donc on va faire un moine, enfin un prêtre ou un ce que vous voulez. Et puis le reste. Non, j'ai plus qu'à attendre, hein, j'ai envie de dire. Je vais refaire d'autres villageois pour déforester plus vite que ça, parce que là, ça
ça devient problématique cet endroit. Ah, ça y est, les messieurs ramènent leur gueule. On va s'occuper des béliers. Ils arrêtent pas de bugger, je sais pas ce qu'ils vont. Ils doivent pas aimer la falaise en fait, ça va les déranger. Voilà. Impec. Allez, essaie encore, bonhomme. Donc ça c'est ok, l'or elle en est où? 64, ok, on est bientôt au bout. Hop, vous allez rentrer au bercail, parce que là, je vous vois. On commence à faire des zigzags, à essayer d'attaquer l'ennemi, puis on le fout dans la merde. Après là je pourrais réunir, refaire une muraille aussi. Ça peut être un bon... une bonne technique. Viens par là, tu vas le faire. Et après on va ouvrir la zone je pense, comme ça. Ça sera plus simple, il y aura plus de place et je ferai un camp de bûcherons là-bas. Est-ce qu'il y a de la place pour en faire un maintenant? Comme ça je fais l'amélioration, ouais parfait. Je vais faire l'amélioration de la scie et tout, ça va être plus simple. Eux, ils vont aller miner là-bas. Et après, je pense qu'on sera pas mal. Alors, je vais détruire les anciens murs, du coup. Ce qui est chiant, c'est qu'il y a le château devant, donc je peux pas accéder aux autres murs, mais bon, il y a au moins un chemin. Bon, ça va, ils attaquent pas mes villageois. C'est un peu risqué, par contre, de les laisser là-bas tranquillou, mais bon, il y a des murailles, je me dis que ça va, quoi. Ça pourrait être pire. Là, je pète la palissade, du coup. Et là, normalement, il peut rentrer par là, non? Pourquoi il vient par là? J'aime pas ça. À moins qu'il peut quand même passer. Ah non, t'es bloqué, gros con. Ah ouais, mais même, il y a les maisons et tout qui bloquent. Bon, écoute, viens par là. Voilà, bouche-moi ça. Et là, je vais faire les bâtiments utiles, genre l'université... Voilà, comme ça, ça va l'occuper. Et après, il fera une vraie muraille au bout parce que la palissade, c'était provisoire. Alors, je vais dire aux bûcherons d'aller bûcher. Hop, plus vers le haut, ça m'arrangerait. Faire le ménage là-bas serait cool. Donc, on va faire l'évolution, voilà, la scie, comme ça c'est fait. Donc le moine, il est là. Normalement, je crois que quand c'est en garnison, il peut même se faire soigner de mémoire. Mais ils sont tous pleins de vie. Il y en avait des blessés, normalement. Attendez, ils se régénèrent pas leur vie, quand même. Bah non, pourtant. Je sais pas. Moi, pas comprendre. Bah, il y en avait des blessés. Si. J'ai pas rêvé, quoi. Je sais pas. Le fait d'être en garnison, ça les soigne, peut-être. Possible. C'est vrai que ça, j'ai pas pensé, mais peut-être que c'est ça. Cela, c'est chelou, quoi. C'est un peu inexplicable. J'ai essayé d'en convertir. Qui ne tente rien à rien. Bon, on va enregistrer puis on va s'arrêter là en tout cas pour cette vidéo. Qui démarre bien pour l'instant, donc on va espérer que ça continue comme ça. Donc bah, n'hésitez pas à commenter et puis on se dit à la prochaine du coup pour la suite. Allez, à plus.